Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer cette petite abeille qui se fait en deux temps. D'abord le corps et ensuite je vous montrerai comment faire les ailes. Alors, pour débuter, vous allez prendre un élastique noir. Donc, vous prenez le métier à tisser, quel que soit le métier à tisser, il faut que juste il ait les 4 picots côte à côte comme ceci en forme de carré. Vous pouvez aussi le faire avec le tricotin d'ailleurs. Donc, vous formez un 8 sur les deux picots centraux. Vous faites de même sur les picots externes. Vous formez un 8. Donc, deux 8 avec du noir. Vous passez à la couleur jaune et vous entourez les 4 picots. Vous prenez un autre élastique noir et vous rentourez les 4 picots, comme ceci. À partir de là, vous allez passer l'élastique noir qui est en dessous par-dessus. Donc le dernier par-dessus les deux autres, comme ceci, et comme ceci. Donc vu qu'il s'agit d'une abeille, on va alterner le jaune et le noir. Donc là, je mets un élastique noir, un élastique jaune, un élastique noir. Je remets un élastique jaune maintenant, et je passe l'élastique jaune du bas par-dessous les élastiques. Je fais ainsi de suite sur chaque picot. Voilà. Donc maintenant, on va mettre un élastique noir. Et on continue ainsi jusqu'à l'obtention de la taille que l'on désire. Une fois que vous avez atteint cette taille à peu près, donc ça correspond à juste comme ceci, vous allez faire passer à l'intérieur, par l'intérieur, votre corps d'abeille, comme ceci. Vous la faites passer vers l'intérieur. Une fois ceci fait, vous passez l'élastique du bas, c'est-à-dire c'était un jaune qui restait par-dessus, par-dessus, par-dessus et par-dessus. Vous allez ensuite passer votre crochet à travers l'élastique noir et le placer sur le picot d'à côté, comme ceci. Vous faites de même avec celui-ci. Donc vous retrouvez avec deux picots simplement utilisés. Vous prenez l'élastique du dessous, vous le passez par-dessus celui du dessus. Idem de ce côté. À partir de là, vous prenez les deux élastiques qui restent, vous passez comme ceci, vous prenez un élastique, vous passez à l'intérieur, comme ceci, et vous formez un nœud. Vous étirez un petit peu pour obtenir votre corps d'abeille correct. À ce niveau-là, vous allez attraper les 4 élastiques jaunes que vous allez avoir à l'arrière. Comme ceci. Prenez à nouveau un élastique noir que vous passez à travers. Vous attrapez l'autre bout que vous passez à l'intérieur. Et vous serrez. Vous
Vous pouvez ensuite casser et enlever les élastiques noirs qui faisaient une collerette. Voilà. Alors, une fois que vous aurez fait les deux boucles, vous allez vous retrouver avec le devant de l'abeille qui correspondra au côté jaune et l'arrière avec le côté noir. Vous allez couper à ras du nœud l'élastique que vous avez mis. Pour ce qui est de l'élastique de devant, l'élastique va correspondre aux antennes de l'abeille. Donc vous allez couper, mais en laissant un petit Donc là, vous avez le corps de votre abeille. Il reste à faire les deux petites ailes. Pour faire les ailes, vous allez décaler les picots du centraux comme ceci. Donc vous décalez le premier, le deuxième un petit peu avant et le troisième égal au premier. Alors, vous prenez un premier élastique. Vous doublez votre élastique. Et vous le positionnez comme ceci sur deux picots. Pensez bien à ce que vos picots, le trou du picot soit de ce côté-là. Pas de ce côté-là, pas du côté de la flèche. Du côté-là. Donc la flèche sera toujours vers vous. Prenez un deuxième élastique blanc. Vous le doublez. Vous le mettez par devant. Un autre élastique blanc. Vous doublez, vous le mettez vers le côté. Encore un élastique blanc. Vous doublez, vous mettez vers le côté. Un autre élastique blanc. Vous doublez, vous mettez vers le devant. Un élastique blanc. Vous passez vers le devant. À partir de là, vous allez prendre un élastique doublé. Un élastique doublé là. Pour retourner comme ceci. Vous allez prendre les élastiques bleus. Prenez un élastique bleu. Vous le doublez, vous le mettez sur le picot central et le picot entre les deux. Là. Un deuxième, vous doublez le picot central et le picot de la rangée du milieu. Vous en prenez un autre. Continuez à doubler, mais vous le mettez sur les trois picots. Comme ceci. Un autre. Prenez. Vous allez sur le picot qui est ici. Un dernier que vous doublez et que vous mettez sur ce picot. Donc vous devez avoir ceci. Vous prenez un élastique blanc. Vous doublez l'élastique blanc. Il va vers le picot de devant. Un deuxième élastique blanc. Vous doublez l'élastique blanc. Il va vers le picot de devant. Une fois arrivé ici, vous allez prendre un élastique. Vous allez le doubler sur lui-même et le mettre sur le dernier picot. Comme ceci. Donc vous devez obtenir cette forme-là. Alors, une fois que vous avez obtenu ce côté, vous prenez votre appareil, vous le retournez afin que la flèche soit éloignée de vous. Vous allez débuter par le dernier picot sur lequel on a mis l'élastique double. Vous allez attraper les élastiques blancs qui sont sur le dessus, les deux élastiques blancs qui correspondent à ce picot-ci. Et vous allez les remettre sur le picot qui correspond. Vous allez attraper les deux autres élastiques blancs qui étaient sur le fond et vous les posez sur
l'élastique de devant, sur le picot de devant. Une fois ceci obtenu, vous allez passer à travers et attraper l'élastique bleu qui est au niveau de ce picot. Et vous le remettez vers le centre, comme ceci. Vous allez faire de même au niveau de ce picot-là. Vous prenez et vous allez vers le centre, comme ceci. Prenez ensuite les élastiques blancs du deuxième picot et vous les ramenez vers le picot de devant. De même de ce côté, les élastiques blancs du dessous que vous ramenez sur ceux de devant, comme ceci. À partir de là, vous allez devoir ramener cet élastique en le passant à travers sur ce picot et de faire de même avec celui-ci. Cet élastique-là, qui est à ce niveau-là, on n'y touche pas. Donc vous passez à travers et vous attrapez. C'est un peu compliqué. Voilà. Vous attrapez l'élastique qui correspond à celui-ci. Vous allez faire de même avec l'élastique qui est sur ce côté, comme ceci. Une fois ceci effectué, vous allez passer à travers ce picot, ramener l'élastique blanc sur le picot du centre, passer à travers les picots et ramener vers le centre, passer à travers et ramener vers le centre, passer à travers, ramener vers le centre, passer à travers et ramener vers ce picot. Comme ceci. Donc vous obtenez cette forme-là. Une fois que vous avez obtenu la forme, vous allez passer à travers votre crochet et vous défaites vos ailes. Voilà. Donc là, vous obtenez une première aile. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer le crochet. Vous allez prendre les deux premiers et vous allez les passer à l'intérieur du deuxième pour faire un nœud, comme ceci. Voilà. On va maintenant faire la deuxième aile. Donc on fait exactement ce que l'on vient de faire. Alors, une fois que vous avez fait tout votre aile, au lieu de mettre un élastique en double à ce niveau-là, vous allez accrocher ceci. Donc ça correspond à l'élastique que vous aviez ici au début pour l'autre aile. Donc vous reprenez cet élastique-là et vous l'accrochez. Donc comme ceci. Vous retournez votre appareil. Vous passez à travers cet élastique. Vous prenez les élastiques du dessus et vous les ramenez sur le picot auquel ça correspond. Et en fait, vous renouvelez ce que vous venez de faire pour le premier. Donc là, vous obtenez la deuxième aile. À partir de là, il va falloir mettre vos ailes sur votre petit corps. Donc pour cela, vous allez passer le corps de votre abeille en travers. Vous obtenez une petite abeille, mignonne comme tout. Donc avec des ailes transparentes, ça fait un peu plus joli. Suivant votre imagination, vous pouvez obtenir un petit papillon. Donc je vous laisse faire et puis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.